Eh bien bonjour et bienvenue pour un tirage universel. Voilà. Et je voudrais répondre par la même occasion à quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Je comprends rien. » Alors, ben, si tu comprends rien, c'est que tu n'es pas prêt à comprendre. C'est que tu as encore trop d'ego qui a besoin d'être embaumé, parfumé, envoûté par de la spiritualité. Donc, il y a d'autres gens sur YouTube qui savent bien vous embaumer, vous parfumer, vous emboucaner avec la spiritualité que votre ego demande. Donc, regardez plutôt ces gens-là qui vous disent ce que vous voulez entendre. Les gens spirituels, ils regardent des tirages sur YouTube, des signes astrologiques, dont la spiritualité, quoi, à deux balles. Ils prennent le meilleur tirage. Ils regardent l'autre. Et ils disent, ah, lui, il me convient. Ouais, il me convient. Ah, ben, alors, il va m'arriver ça. Ben, y compris. Donc même si j'ai moins de vues, même si j'ai moins des abonnés qui sont bons, etc., etc., tant mieux, ça fait le ménage sur ma chaîne. Ça fait le ménage. Des gens qui prendront la direction de l'évolution et des gens qui prendront la direction ou qui resteront dans la direction de l'involution. Je ne changerai pas pour autant ce que j'ai commencé à faire. Au contraire, ça, si vous voulez, ça m'incite à continuer à faire le ménage. Donc, pour continuer sur la psychologie évolutionnaire, sur l'homme nouveau et la femme nouvelle, on va continuer. Donc, les gens qui évoluent sur cette conscience dite supramentale, ou conscience supérieure, vous réussissez, ceux qui vont sur cette conscience sont en pleine renaissance, sont en train de changer des choses au niveau de leur programmation, au niveau de leur karma. Ils ont détruit leur passé ou l'ont transformé en force. C'est devenu un phare et non plus un fardeau. Ils ne le traînent plus comme un boulet, c'est plus léger. Donc ils sont en pleine renaissance, ils ont réglé leur paradigme, donc leur cerveau est complètement réglé. Et ils vont sur cette nouveauté, sur cette nouvelle vibration de leur être. Et donc, par la même occasion, ils construisent leur corps éthérique, le corps du double éthérique. Donc, c'est votre ajusteur de pensée, donc votre esprit, qui vous insuffle par pulsation
des idées, des nouveaux concepts, de votre nouvelle vibration, de votre nouvelle énergie. Et vous avez su les entendre, et vous avez su les mettre en pratique. Donc, votre évolution se poursuit pour ces gens-là. Leur ego a été mis à terre. L'ego a été tué sur le plan spirituel. Ils mordent froid comme Gunvalski. Donc, vous avez possiblement besoin d'aide extraterrestre au niveau des archanges, car ils ont la même vibration, qui viennent vous réveiller d'une certaine situation. En fait, vous vous posez la question si vous êtes encore un peu parsemé de doutes et de craintes dans ce domaine de conscience. Donc vous vous demandez si ces êtres viennent vous aider par moment, votre double éthérique, pour la poursuite de votre évolution. Ils vous aident. Ils vous aident en vous bloquant pour que vous puissiez vous libérer beaucoup plus fort avec cette conscience éthérique. Donc c'est un blocage, mais temporaire, pour être beaucoup plus fort par la suite. Parce que pour ces gens-là, vous changez de cycle. Vous passez du cycle de l'involution au cycle de l'évolution. Et ça, ce chemin, vous allez le faire seul. C'est seul que vous allez avancer sur cette conscience éthérique. Et pas en groupe. Alors les archanges, quand ils interviennent dans votre vie, ils vont chercher l'énergie qu'ils vont utiliser pour se matérialiser devant vous dans le centre du cosmos. Et ils se matérialisent devant vous. Ils ont aussi la capacité d'arrêter le temps et l'espace. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Car quand vous voyez ces phénomènes, eh bien vous n'êtes plus là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus quelle heure il est, vous ne savez plus s'il fait jour, s'il fait nuit, vous ne savez plus rien. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Ça rebloque là. Putain.
Donc l'arcade sans nom, il ressort. Il y a vraiment cette notion de réglage de paradigme et de construction de votre corps éthérique. Donc vous réussissez à reboucher les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Ceux-ci ont été provoqués par la méchanceté de l'inconscience planétaire, des gens involutifs qui ne sont pas encore sur le même chemin que le vôtre et qui vous ont créé beaucoup de retard. Mais comme vous continuez de grandir dans cette nouvelle conscience, eh bien, vous allez rencontrer des situations qui vont vous faire évoluer, des situations évolutives, des situations qui vous amèneront dans cette abondance, des situations qui vous feront déménager ou changer de boulot et voir autre chose, aller ailleurs. Donc, vous allez recevoir ces nouvelles hein, qui vont vous faire changer d'optique hein, sur votre plan de vie matériel. Donc, ça vous apportera cette renommée hein, pour vous-même et ce bonheur que vous cherchez enfin. Voilà. Donc, c'est une confirmation de l'évolution pour ceux qui évoluent. De toute façon, il y aura encore beaucoup de, comment dire, de mouvements planétaires très très astralisés, des mouvements planétaires météorologiques dévastateurs. Tels que des cyclones, des ouragans, des tornades, il y en aura encore, des inondations. Des gens très astralisés qui vont faire des carnages. L'astral est en train de perdre son pouvoir sur la Terre. Donc tous ceux qui pourra attraper, tous ceux qui pourront attraper avec une conscience fragilisée, avec des failles au niveau de la conscience, avec des failles au niveau de l'âme, seront attrapés, seront manipulés, seront véhiculés pour faire des horreurs. Hein? Donc, il y aura tous ceux qui seront impactés au niveau de leur conscience, et il y aura tous ceux qui vont comprendre que l'astral intervient sur les humains pour dérégler les consciences de l'humanité, pour dérégler les consciences qui sont dans l'évolution, pour essayer de les attraper par le biais d'autres personnes qui sont véhiculées. Donc c'est très subtil à ce niveau-là. Faut savoir le discerner, faut savoir pas se faire attraper par ces conneries qui vont arriver, qui arrivent tous les jours, quasiment de toute façon. Ne pas y être trop assujetti. Donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La plupart des humains jugent, critiquent. D'un simple regard, vous êtes jugé, critiqué. Ces gens-là, conscience zéro. Conscience évolutive zéro. Rien juger, faut rien critiquer. Même ce qui est critiquable, même ce qui est jugeable, faut pas juger, faut rester humble, faut comprendre les choses. Les gens qui font des meurtres, les gens qui font des viols, les gens qui font des braquages, les gens qui font tout ce genre de choses,
Bon, j'ai rien contre les gens qui braquent les riches pour aller donner aux pauvres. Ça, au contraire, je trouve que c'est bien. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Ces gens-là sont véhiculés, sont manipulés, sont astralisés dans l'acte. C'est pas eux qui agissent. Ils sont agis. Ils sont instrumentalisés par des forces du bas astral en eux. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, ils vont vous dire, ils vont vous dire, c'était pas moi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait ça, mais c'était pas moi. Je sais pas. C'était quelque chose qui m'a, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Il y a quelque chose qui m'a poussé à faire ça. Quelque chose qui vous pousse à faire un acte qui sera. Après, c'est irrévocable. Après, c'est trop tard. Mais en attendant, les forces de l'astral sont assez puissantes pour rentrer dans votre énergie, hein, par voie vibratoire qui se connecte au système électrique de votre corps. Et par pulsation négative, vous êtes plus vous, vous êtes autre chose. Vous n'êtes qu'un instrument. Donc, dans la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour revenir à votre rencontre. Donc, quand il y a quelque chose de bien qui se passe autour de vous, c'est simple, il faut dire, ben, c'est bien. Bravo pour toi, mais il faut en même temps, il faut vraiment le penser. Il faut vraiment le dire avec le cœur. Pas le dire pour attendre en retour quelque chose de l'univers. Parce que l'univers s'envoie la traîtrise. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Hein, quand vous êtes conscient de ce que vous pouvez arriver à faire quand vous êtes devenu inastralisable par les forces noires de l'astral, par les forces de l'ombre, ben, tout le positif il peut vous tomber et de toute façon après vous êtes bien en vous, dans votre tête. C'est tout ce qui compte. C'est pas être bien avec une Porsche, une BMW ou une putain de villa avec une putain de piscine. C'est être bien dans ta tête déjà, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la richesse. Être bien dans son esprit, être bien dans son cerveau. Être bien avec soi-même. Après, si tu es bien avec toi-même et que tu as une belle maison, une belle piscine et une belle voiture, eh bien, tant mieux, tu vois. Il n'y a pas de souci. C'est plus facile d'ailleurs pour ces gens-là d'être bien dans leur tête. Faut dire la vérité, hein. Faut dire ce qui est quoi. Et si tu es bien avec un petit studio, avec une petite voiture, avec un petit boulot, voilà. Moi, hier, je me suis fait un gâteau au yaourt avec de la banane et j'étais trop content. J'étais bien, ça sentait bon le gâteau, la banane, au yaourt. Je suis régalé. Voilà. J'ai pas eu besoin d'aller m'acheter une forêt noire à la boulangerie pour être content. Trois œufs, un pot de yaourt, trois pots de farine, deux pots de sel, un demi sachet de levure chimique, un sachet de sucre en poudre vanillé, de sucre vanillé, un demi pot de yaourt, toujours avec le pot de yaourt, tu mesures, d'huile ou d'huile d'olive. Et c'est tout. Et c'est tout.
Voilà, tu mélanges tout ça, tu rajoutes soit des bananes, soit des pommes, soit de la poire, et 30 ou 35 minutes au four, et tu te régales. Voilà, nettoyage karmique. J'arrête mes conneries. Ça, c'est grâce à la carte de l'arcane sans nom, ce que vous avez réussi à faire en réglant votre paradigme, donc votre cerveau. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce de la science de l'esprit et du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Donc c'est la carte de l'arcane sans nom, voilà. Donc quand vous avez réglé votre paradigme, quand votre passé est transformé en phare, que vous en servez de force et que vous ne le traîniez plus comme un fardeau, le nettoyage karmique se fait automatiquement. Pas besoin d'aller voir Pierre, Paul, Jacques pour vous faire un nettoyage karmique. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, de toute façon. Personne ne peut rentrer dans votre tête, dans votre esprit, dans votre karma familial. N'y a que vous qui pouvez le faire. Ceux qui vous embaument l'esprit pour vous dire oui, moi je te fais un nettoyage karmique, nanani, nanana, ne le croyez pas. Vous avez une invitation à vous connecter. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse de la science de l'esprit, de l'humanité, et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ou bien parce qu'ils ont encore trop d'ego, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. L'existence connaît de nombreuses dimensions. Il y en a 300 et quelques des dimensions. Il n'y en a pas que 4 ou 5 ou 6 ou 9, il y en a 300 et quelques, mon ami. Pour ceux dont la perception sensorielle se développe, les sens ne seront pas limités par la dimension physique terrestre. Il existe des dimensions supérieures que la nature psychique ou émotionnelle peut reconnaître. Ça, c'est quand vous êtes ailleurs. Quand je vous dis que vous avez la tête ailleurs, vous ne savez plus où vous êtes là. Vous vous demandez où vous êtes. Vous êtes dans une autre dimension dans ces moments-là. Et si vous êtes sensible, vous pouvez entendre de la télépathie, vous pouvez entendre des choses pour vous aiguiller, vous éclairer. Et des dimensions encore plus subtiles que l'esprit supérieur peut identifier. Donc l'éther, là où il y a ton esprit, ton ajusteur de pensée, donc ton double éthérique. Au-delà, il existe des dimensions que le mental, même dans son développement le plus large, ne peut saisir. Mais l'esprit, lui, sait qu'elles sont réelles, qu'elles sont réelles. Plus votre sensibilité à l'énergie subtile évolue, plus vous devenez conscient de ces mondes au-delà du monde. Pour certains, cela sera facile à accepter et ils auront à cœur d'en apprendre plus. D'autres seront plus hésitants à l'idée d'explorer des connexions avec des êtres non terrestres. Moi, je kiffe tout ce qui n'est pas terrestre.
qui vient d'ailleurs. Donc c'est de toute façon, le jour où j'ai été traversé par ce rayon, j'ai eu la confirmation qu'il y avait autre chose ailleurs, qu'il y avait de l'énergie ailleurs, qui pouvait atteindre les humains sur la Terre pour leur donner le starter, le boost, le commencement de l'évolution de leur esprit. Parce que ces êtres-là en avaient assez chié sur le plan terrestre. À un moment donné, tu envoies chier, tu envoies chier l'univers, et un jour tu t'énerves. Et la colère, c'est une grande énergie qui désastralise tout ton corps. Mais la colère contre les plantes, pas la colère contre les gens. Donc j'ai su qu'il y avait autre chose. Je l'ai vu. Ça m'a traversé. J'ai ressenti ce bien inconditionnel en moi, un truc indéfinissable, tellement c'était bon. J'ai vu, bon, bien sûr, le Christ cosmique, Jésus Ananda, avec mes yeux physiques. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu te vois dans une grosse main de géant comme ça, avec une tête couronnée d'épines. C'est la conscience, la descente de la conscience christique, ce rayon qui vient de la 9e dimension, du réservoir christique de Sirius. Donc quand vous avez appris ça, quand vous savez que ça peut descendre ici sur la Terre, sur les humains, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur qui est en direction, en directive de notre évolution sur la Terre. Sinon, on ne pourrait pas évoluer. Sinon, l'humain ne pourrait pas évoluer tout seul, il ne pourrait pas comprendre les choses s'il n'était pas pris en charge, en main, par quelque chose de plus pur. Qu'un ego involutif, qu'un ego astralisé. Donc après, il y a des visions, il y a de la télépathie, il y a d'autres intelligences vraiment intelligentes, pas astralisées, pas égoïfiées, l'intelligence pure de la lumière qui vient de l'éther. Il y a aussi une intelligence qui vient de l'astral, du bas astral, mais celle-ci, elle est très reconnaissable. Quand vous êtes en initiation solaire, de toute façon, l'astral, le bas astral, il essaye de vous rattraper. Moi, j'ai pas vu qu'un archange. J'ai pas vu qu'un rayon. J'ai pas eu que de la télépathie bienveillante de Saint-Michel Archange. J'ai eu aussi de la télépathie malveillante d'un démon que j'ai vu aussi avec mes yeux physiques à côté de ma fille. Il faisait dans les 2 mètres, 2 mètres et quelques, avec une couette assis en tailleur à côté de ma fille. Et ça m'a dit, prends le marteau, éclate-lui la tête. Pas tout le monde peut voir ça et rester indemne après. Donc, le bas astral essaye de vous rattraper par n'importe quel moyen. Ils savent aussi déclencher des visions. De toute façon, ce qui crée la forme, c'est l'astral. Les formes sont créées par l'astral. L'éther, la lumière, ne crée pas de forme pour entrer en contact avec vous. Mais le bas astral, lui, peut créer des formes, peut aller chercher des êtres, type démons, poltergeist, des choses non humaines aussi, pour vous attraper, pour vous envoyer vers une terminaison de votre vie matérielle, donc au suicide. Il faut avoir un esprit très fort, très combatif pour absorber et pour après éliminer cette vision. Donc, il y a des choses dans l'univers, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit connu dans le monde entier, qui interviennent chez certains êtres humains qui sont en évolution et qui doivent expliquer ces choses-là avec leur intelligence, à leur propre niveau, simplement, pas besoin d'être Einstein. Pour expliquer aux gens ben, qu'il peut arriver ça, que c'est possible que ça descende sur vous un jour et que si ça descend sur vous, eh ben, il faut rester humble, il ne faut pas péter les plombs, il faut le prendre comme un film dans votre vie, ça passe, voilà, et vous devez après intégrer l'énergie. C'est tout. Et votre vie se poursuit. Mais vous n'êtes jamais seul, vous êtes tout le temps suivi. Même quand vous croyez que vous êtes tout le temps seul, même quand vous n'avez pas de réponse de votre double ou ajusteur de pensée,
Ne croyez pas qu'ils ne vous entendent pas. Ils vous entendent. On vous entend. Vous êtes en permanence espionné, surveillé, encadré par des intelligences supérieures qui sont en charge de votre évolution. Pour ceux qui vont dans cette évolution. Pour les autres, ça sera dans une autre vie. Et c'est comme ça. En tous les cas, ça n'a pas été trop facile. C'est pas très simple à vivre, ni facile à dépasser. Mais je remercie tous les événements, toutes les expériences dites mystiques, dites évolutionnaires, hein, de la sixième race racine, qui me sont tombées dessus. Je les remercie quand même si ça n'a pas été facile à dépasser. Aujourd'hui, ça y est, c'est dépassé. Tranquille. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de cette histoire, de l'initiation solaire, de ce qui m'est arrivé. C'est une biographie de ma naissance jusqu'au jour où j'ai vécu tous ces phénomènes. Et j'essaye d'en faire un film initiatique pour aider les gens qui sont touchés, contactés eux aussi par ces êtres. Par ces énergies, par cette puissance qui vous traverse le corps, par ces vaisseaux lumineux qui viennent vous traverser le corps pour changer votre mentalité, pour changer votre direction de vie, pour vous changer totalement vos cellules, pour vous réparer en même temps, ça vous répare. Allez tous.